Welcome to track number one of Le plus petit deviendra un millier. Clap your hands for Acclamez Jesus. Jésus. Bishop has come. Bishop, we are very happy to see you today. This is the Congress of Mission Jésus qui guérit. And we are very excited. We believe that as you come, nous croyons qu'alors que vous êtes venus, you are going to set us on fire. Vous allez nous mettre le feu. So that we can become great shepherds and pastors. Nous puissions devenir des grands bergers et des grands pasteurs. Put your hands together and let's welcome our Father, Bishop Dan Walker. Let us pray. Father, thanks a million for this opportunity. Merci pour cette opportunité. Guide us by your mighty power. Dirige-nous à travers ta puissance grande. And let your will be done. Que ta volonté soit faite. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous. Hallelujah. Hallelujah. It's a blessing to see all of you. Il est une bénédiction de voir tout le monde. How many of you are from Ghana? Combien vient de Ghana? How many of you are from Togo? Combien vient de Togo? And where else are you from? Et qui d'autre? Benin. How many from Togo? Le Bénin. And how many from where? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. From Burkina. Le Burkina Faso. Wow. And how many from Mali? Le Mali. Wow. And how many from Et combien sont venus de Congo? Congo. Brazzaville. DRC. RDC. Wow. That is fantastic. C'est fantastique. Hallelujah. Hallelujah. Is there anyone I missed? Est-ce que j'ai raté? Paris. Paris. Wow. Beautiful. C'est très beau. Genève. Switzerland. La Suisse. Beautiful. C'est très beau. Gabon. Wow. Beautiful. C'est très beau. Anywhere else? Senegal. Guinea. La Guinée. On the way. Sont en route. Belgium. La Belgique. Fantastique. C'est fantastique. Burundi. Le Burundi. Has anyone else been left out? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un d'autre? Et l'autre? Niger. Le Niger. On the way. Wow. Le Niger. Beautiful. C'est très.
Father, thanks a million for this opportunity. Père, merci million de fois pour cette opportunité. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Today, I want to share with you about what I call your destiny. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'appelle ta destinée. Isaiah 60, verse 22. Ésaïe 60, verset 22. We can read from verse 21. Nous allons commencer du verset 21. Thy people, le peuple, also shall be all righteous. Aussi seront tous justes. They shall inherit the land forever. Ils vont avoir héritage la terre pour toujours. And the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. La branche de ma plantation, l'œuvre de ma main sera glorifiée. All right, and verse 22. Verset 22. A little one shall become a thousand. Le plus petit deviendra un millier. And a small one. Et le moindre. A strong nation. Une nation puissante. Amen. Amen. Now, God has great plans for mission Jésus qui guérit. Dieu a de grands plans pour mission Jésus qui guérit. And the great plans are in this Isaiah 60 verse 22. Ces grands plans sont trouvés à Ésaïe chapitre 60 verset 22. A little one, le plus petit, shall become deviendra a thousand, un millier. Amen. Amen. A little one, le plus petit, shall become deviendra a thousand, un millier. A little one, le plus petit, shall become deviendra a thousand, un millier. Amen. Amen. So what you must realize, alors ce que tu dois te rendre compte, is that God has great plans for us. C'est que Dieu a des grands plans pour nous. And it is important for us to tap into His great plans. Et c'est très important de épuiser de ce grand plan. Amen. Amen. The great plans that God has for us. Ces grands plans que Dieu a pour nous cannot be imagined or understood. On ne peut pas les imaginer, même comprendre. Amen. Amen. Why do I say that? Pourquoi est-ce que je dis cela? Because when you read the Bible, parce que quand tu lis la Bible, you see the great plans that God has. Tu vois les grands plans que Dieu a pour nous. You sort of can't believe it. Tu ne vas même pas croire. If you can believe it, it's not God's plan. Si tu peux croire, ce n'est pas le plan de Dieu. Like if you can, like oh yeah, this is what I'm going to become. C'est comme si oui, je viens d'être comme ça ou bien comme cela. I can see my future. Je peux voir mon avenir. If you can see, si tu peux le voir, then it's not God's plan. Alors ce n'est pas le plan de Dieu. God's plan is fantastic. Le plan de Dieu est fantastique. I've learned to upgrade my prayers recently. J'ai appris d'abréger mes prières récemment. I now pray for things that are impossible. Je prie maintenant pour des choses impossibles. Because in my discussions with the Lord, parce que quand je discute avec le Seigneur, I tell him, je lui dis, he said that, c'est lui qui a dit, if his words abide in me, si ses paroles demeurent en moi, abide in him, et je demeure en lui, ask what I want, de demander tout ce que je veux, and it shall be done unto me, et ça sera fait à moi. It's not my idea. Ce n'est pas mon idée. And that's the main reason why I'm asking. Et voici la raison pour laquelle je demande. That I'm asking. Les choses que je demande. And that if it was something that I could have done myself. Si c'était quelque chose que je pouvais faire moi-même. I wouldn't have come to him. Je n'allais pas venir vers lui. To talk to Almighty God. De parler au Dieu. About Dieu what I can do. De ce que je peux faire. By working hard. En travaillant dur. I'm talking about something that I cannot do. Je parle de quelque chose que je ne peux pas faire. How I can do. Je ne sais pas comment je peux ever. Jamais. Yeah. Oui. This is what I'm praying for. C'est ça ma prière. Amen. Amen. So, alors, when you, quand tu, toi, are listening to this scripture, tu écoutes cette écriture, which says that a little one, le plus petit, shall become, deviendra, a thousand, un millier. I'm glad you can't understand it. Je suis content que tu and ne peux pas comprendre. Glad you can't see how it can je suis ravi que tu ne vois pas comment ça peut se réaliser. And a small one et will become a strong nation. Deviendra une nation forte.
Now, about 20 years ago, ça fait 20 ans déjà, I had a terrible accident. J'ai eu un accident terrible. I was traveling to Tamale. Je voyageais à Tamale. And around 4:30. We had an accident. 16:30, and we had a somersault. And went off into the bush. Nous avons quitté upside down. On était rentré dans la bouche. To the side. La voiture était renversée. And we couldn't come out of on ne pouvait pas sortir de la voiture. Because all the doors were jammed. Parce que tous les portes étaient fermées. And I was greatly affected by this accident. J'étais grandement affecté par. Nobody died. Et personne n'est mort. And I was supposed to preach that evening. Et je devais prêcher cette so nuit-là. I finished preaching. J'ai fini de prêcher. But after the first day, mais après le premier jour, I told the pastor, j'ai dit au pasteur, I don't feel je ne me sens myself. Je ne me sens pas. Moi, I'd like to go. Je voudrais repartir to Accra. À Accra. Without continuing the program. Sans continuer le programme. I was affected by parce que j'étais affecté accident. Par l'accident. So I think I preached 2 days. J'ai prêché pour 2 jours, je pense. J'ai dit, regardez, ça va. So I need an aeroplane. Donc j'ai besoin d'un avion. Plane. Il était un avion. J'ai pris un vol. And came back. Je suis venu to Accra. À Accra. From the airport. De l'aéroport. When we arrived. Quand on est arrivé. I drove to Collégon. J'ai conduit jusqu'à Collégon. And et I saw the church which was being built. J'ai vu l'église qui était en construction. I think this must have been about 1994. C'était 1994. It was under construction. Attends. When I stopped outside the church, je me suis tenu debout. I looked up at the tower that was j'ai regardé le and I was thinking to myself, je me suis dit, if I had died now, si j'étais mort, this would have been what was voici there. Ce que on a, j'allais laisser. What I've been able to do. Ce que j'ai pu faire. In my life, dans ma vie, in my ministry, et dans mon ministère, do you understand? Est-ce que vous comprenez? This is what occurred to me. C'est ça qui est venu à moi. As I look at the building, je regarde la construction. Yes, c'est ça. I've not even written a book. Je n'avais même pas écrit un livre. Yeah, I've not written even. Je n'avais même pas écrit un livre. No, I'd have gone with all the. J'allais partir avec toutes ces choses. Mission Jésus qui guérit la vie. Avec la mission Jésus guérit. Yes. Oui. And et yes, this campus. Et aussi ce campus aussi, j'allais partir avec. Yes. So. Alors, I remember parking outside and looking je me suis dit, I was greatly affected j'ai by regardé dehors, j'étais. You see, whenever somebody has a near death, nearly died, quelqu'un espère, has a certain effect on you. Some people are in aeroplanes, il y a des gens dans les avions, pendant les they can't fly again. Ils ne peuvent plus voler, they have to drive. Ils doivent conduire. Even to Europe, they drive. Même en Europe, ils vont conduire, aller en Europe. Yeah. Oui. It affects you. Ça les affecte. Yeah. Oui. Now, there is nothing that I'm doing. Il n'y a rien que je fais. And that God has done. Que Dieu a fait. That I imagined. Que j'ai imaginé. Then. Yeah. À l'époque. Nothing. Nothing at all. Il n'y a rien. Do you see? Est-ce que vous voyez? God has done great things. Dieu a fait des grandes choses. We have had crusades all over the place. Nous avons vu des croisades partout. I've seen churches. Nous avons vu des églises. Yesterday, one of my pastors in England, he told me they had a first love church service in Birmingham. Yeah. There were more than 500 people in. Yeah. Et le pasteur en Angleterre avait dit, il y avait l'église de first love. Ils ont eu 500 personnes à l'église. Not in London. Pas à Londres. Not even in London. Ce n'était même pas à Londres. Outside somewhere. En dehors de Londres. Yeah. Oui. So what I'm saying is that ce que je suis en train de dire, what God has to do, ce que Dieu veut faire, look, it's not a joke. Écoutez, c'est you pas cannot blague. Not imagine it. Tu ne peux pas imaginer. You have to believe. Tu dois croire. The Holy Spirit. Dans le Saint-Esprit. Believe in fantastic things. Des choses fantastiques.
I need you to believe fantastic things. Et aussi de croire des choses fantastiques. And this is the fantastic thing that in the francophone, voici une chose fantastique, a little one dans la francophonie, le plus petit deviendra un millier. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? Est-ce que vous êtes content? I did not ask you to explain it. Je ne te demande pas d'expliquer. Understand it. De comprendre. Say, as many as believe. Oh, beaucoup d'entre vous qui croyez. Then he gave power. Il a donné la puissance to become the son de devenir le Fils. Not de as many as understood. Pas ceux qui ont compris. So you have to believe. Tu dois croire. I didn't know that God would take care of me if I became and came into the ministry. Je ne savais pas que Dieu allait prendre soin de moi. But j'étais trusted, venu au ministère. J'ai fait confiance en lui qu'il allait prendre soin de moi. Amen. So, alors, you must trust the Lord. Vous devez croire dans l'Éternel. That a little one, que le plus petit, shall become, deviendra a thousand. Now, apart from that, et à part cela, in your personal life, dans ta vie personnelle, personal life, dans ta vie personnelle, you have a great destiny. Tu as une grande destinée. What God has for you, que Dieu a pour toi, which I need you, et je veux que vous to believe, vous croyez. All right. D'accord. So your destiny, alors, is connected, est connecté to the church, à l'église. Many people don't know that. Beaucoup ne sont pas au courant de ça. Why? Because you are part of the church. Pourquoi? Parce que tu fais partie de l'église. So as mission Jésus Kikeri is going higher, alors que mission Jésus Kikeri, you're also going higher. Tu vas monter aussi. As a little one is becoming a thousand, alors que le plus petit devient millier, the little one franc in your account, le grand franc dans ton compte deviendra des milliers de francs. A little one CD is becoming a thousand CD. Le LCD devient 1000 CD. A little 1 euro is becoming a thousand euros. 1 euro devient 1000 euros. Where somebody used to give you $1, là où on te donnait $1, they will now give you $1,000. Ça va devenir $1,000. The prophecy you believe. La prophétie dans laquelle tu crois. La prophétie dans la prophétie qui se réalisera. Amen. Amen. So now, alors maintenant, this is the first. I'm giving you the details. Je vous ai donné les détails of your destiny. De ta destinée. As an individual. En tant qu'individu. And as a church. En tant qu'église. And I need you to believe it. Et je veux que vous croyiez. Because I am saying to you. Parce que alors que je vous dis, if I was to say, si je devrais dire. That I believe, que je crois, or I imagine, que j'ai même imaginé, that what God has done, que ce que Dieu a fait, is what He would do, c'est ce qu'il allait faire, I would be lying. Je mens. I didn't. Non, je and I know because je sais parce que the day after the accident, le jour après l'accident, I saw the church. I knew that like this was my ministry. Je savais que c'était mon ministère. Even when I wanted to be ordained, même que je voulais être ordonné. Before I was ordained, avant d'être ordonné, I spoke to the pastor and I knew my vision was to have 100 members. Ma vision était d'avoir 1000 membres. And I said, if, 100 membres. If I have 100 members, et si j'ai 100 membres, I fulfilled my ministry. J'ai accompli mon ministère. That was my dream. C'était mon rêve. That's 100 membres. To heaven. Je vais aller au ciel. I'm ready for heaven. J'étais prêt pour le ciel. But I never knew I'll have more than 100 mais members. Je ne pensais pas que j'allais avoir plus de 100 églises, mais. This is going to be your story. Ça sera ton histoire aussi. Amen. Amen. Sit down. Asseyez-vous. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Your destiny is in Romans 8:29. Ta destinée se trouve en Romains 8:29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn
among many brethren. Car ce qu'il a connu d'avance l'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier d'être plusieurs frères. Amen. Amen. So what it says that who he did foreknow, God knows in advance. Dieu connaît en avance. God knows in advance. Dieu connaît en avance. He did foreknow. Ce qu'il a connu d'avance. He also did predestinate. Il a aussi prédestiné. So God has predestinated certain things. Donc Dieu a déjà prédestiné certaines choses. So once he knows about you, donc quand il connaît quelque chose de toi, he destines certain things. Il te destine de quelque chose. I didn't write the Bible. C'est pas moi qui a écrit la Bible. It says, who he knew for you, he predestinated. What did he predestinate? Il a prédestiné quoi? De devenir quoi? He predestinated us to be conformed to the image of his son. Il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. In other words, he destined you to look like his son. Autrement dit, il t'a destiné de devenir comme son fils. Okay? Okay. He predestinated you. Il t'a prédestiné to look de ressemble, to be conformed, d'être conformé, to the image, à l'image, the picture, la photo. If you check your eyes, you see images. Voyez les images. The image, the picture, les images, the photo of his son, de son fils. This is your destiny. C'est ça ta destinée. To look like Jesus. De ressembler à Jésus. You are like Jesus. Tu es comme Jésus. Now, how does Jesus look like? Mais Jésus, il a quel semblant? Revelation chapter 5 and verse 12. Jésus semble à quoi? Saying with a loud voice, dit avec une haute voix, worthy is the Lamb, digne est l'agneau, that was slain to receive power, de recevoir la puissance, riches, la richesse, wisdom, la sagesse, strength, la force, honor, l'honneur, glory, la gloire, blessing, la bénédiction. The Lamb was there. L'agneau était là. And he came. Il était venu. And they were singing. Et ils chantaient to him. À lui. That you are worthy. Qu'il est digne. To receive. De recevoir. Glory. La gloire. Honor. L'honneur. Blessing. La bénédiction. Riches. La richesse. Hey, hey. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Look at verse 6. Regardez verse 5, verse 6. Apocalypse 5. It says, and behold, et voici, je regarde. A lamb in the midst of the throne, et un agneau au milieu des trônes, and of the four beasts, et d'être vivant, and in the midst of the elders, au milieu des vieillards, stood a lamb, un agneau, as though it had been slain, qui était là comme immolé, having seven horns and seven eyes, sept cornes et sept yeux, which are the seven spirits of God, les sept esprits de Dieu. Wow. Wow. And he came and took the book out of the right hand of him that sat on the throne. Il vint et prit le livre de la main de droite. When he had taken the book, et quand il a lui pris le livre, the 24 elders, les quatre êtres vivants, fell down before the Lamb, se prosternèrent devant l'agneau, and they sang a new song, et ils ont chanté une nouvelle chanson, saying, thou art worthy to take the book, en disant, tu es digne de prendre le for livre, thou wast slain, car tu étais immolé. Amen. Amen. Thou wast slain. Tu as été immolé. Hallelujah. Hallelujah. And has redeemed us to God by thy blood. Racheté pour Dieu par ton sang. Out of every kindred and tongue, people and nation. Tribu, langue, et tout le peuple des nations. Verse 11. Verse 11. And has made us to our God kings and priests. Et il a fait à notre Dieu des prêtres et des rois. And I look around. J'ai regardé autour de moi. And all these were elders, angels, and beasts. Ce sont des vieillards. And they were singing. Et ils chantaient. What were they singing to the Lamb? Ils chantaient quoi à l'agneau? With a loud voice. Verse 12. Avec une voix. Worthy. Verset 12. Is the Lamb that was slain? Dit est l'agneau qui était immolé pour recevoir la puissance, riches, la richesse, wisdom, la sagesse, strength, la force, honor, l'honneur, glory, la gloire, blessing, et la louange. When you see Jesus, quand tu vois Jésus, these are the seven things you see on voici les sept choses que tu vois de Jésus. What do you see on Jesus? Qu'est-ce que tu vois sur Jésus? Power, la puissance, riches, la richesse, wisdom, la sagesse, strength, la force, honor, l'honneur, glory, la gloire, and blessing. Et la bénédiction, and la you, and you, et toi aussi. What does it have to do with you? Qu'est-ce que ça a à faire if toi? Jesus has all these things, si Jésus a toutes ces choses, what does it have to do with somebody like you? Mais ça a à voir quoi avec toi? Come from Gabon. Qui vient de Gabon? And who has come from Benin? Qui vient de Bénin?
I know I come from Côte d'Ivoire. Qui vient de Côte d'Ivoire. What is the concern of you? Cela if Jesus has all this si power, a tout ce glory, gloire, and blessing, honneur, do you know how it concerns you? Est-ce que vous connaissez comment ça do you know how it concerns you? Est-ce que vous do you want to know how it concerns you? Est-ce que vous voulez savoir? It concerns you because ça te concerne parce que who he did for no, c'est lui qui l'a connu d'avance. He did predestiné, il a prédestiné that you avec toi should be conformed. Tu seras conformé to that picture. À cette photo, you should look like that. Tu dois ressembler à ça. Look like that. Tu dois ressembler à ça. You should look like. Tu dois ressembler à cette photo. Wow. That's how your picture is supposed to be. Comment ta photo doit être destinée. C'est ça ta destinée. Glory, la gloire. Honor, l'honneur. Power, la puissance. Riches, riches, la richesse. La richesse. Receive riches. Recevez la richesse. There is a fantastic wave of prosperity. Il y a une vague fantastique de prospérité. Jésus qui guérit. Recevez. Dans la mission, Jésus guérit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amazing. C'est étonnant. And why? Because pourquoi? He said, parce que so that you be conformed, afin que tu sois conformé to the image, à l'image of his son, you see, à son fils, so that he may be the first, afin qu'il soit le born premier parmi many brethren, plusieurs frères. Et c'est pas étonnant. He wants you to be the first born. Il veut qu'il soit le premier né parmi many plusieurs brethren. Frères. Amen. Amen. You see, vous voyez? And you, et toi, you, I want to advise you. Je voudrais te conseiller. You need, tu as besoin. So, de see your destiny. De voir ta destinée. These are the levels of glory. Les niveaux de gloire. Levels of honor. Les niveaux d'honneur. Levels of riches. Les niveaux de richesse. Levels of power. Les and niveaux wisdom. De puissance et sagesse. Tu vois? It's your future. C'est ton avenir. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé. Today you are different. Aujourd'hui tu es différent. But by tomorrow. Mais demain. You are going to shine like you are your name. Hallelujah. Hallelujah. Do you now see? Est-ce que tu vois that all of us when we look at ourselves, nous, nous regardons, we are not seeing as much glory. On ne voit pas aussi as much blessing, la gloire et la bénédiction, as much wisdom et la sagesse, as much honor et l'honneur. Riches, la richesse. Riches, la richesse. Hey! That is why I told you, if you can believe it, or imagine it, then it is not what I'm talking about. Ce que je dis. Believe it. Il faut croire. Believe it. Il faut croire. If you don't believe, si tu ne le crois pas. Demons, les démons of poverty, de pauvreté, will envelop you. Ils vont t'envelopper. You must believe in prosperity. Tu dois croire dans cette prophétie. You must believe in prosperity. Tu dois croire en cela. How many believe? Combien ici croient? Yeah. No, no. How many believe that brother Rudy? Combien ici croient que le frère Rudy is going to be conformed? Il sera conformé à l'image. Give the Lord a clap of praise. You may go back. Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous. Wow. Wow. Now. Maintenant. Come Rudy and take over the interpretation. Rudy, tu viens continuer l'interprétation? Wow. It has already started. It has already started. Number three, I'm giving you your destiny. The first one is that a little one will become a thousand. Le premier, c'est le plus petit deviendra un millier. Number two is you are destined to be conformed to the image of Christ. Destiné the picture. À être à l'image. Anyone who sees you will see that picture. Chaque personne qui verra l'image.
In Jesus' name. Vers l'image de Jésus. Number three, your destiny is to be a brother of Christ. Point 3, votre destinée être le frère de Christ. A brother, un frère of Christ. Le frère de Christ. As you may be the firstborn among many brethren. Vous serez le premier parmi de nombreux frères. One day I was somewhere and I saw the president's brother. Un jour j'étais quelque part, j'ai vu le frère du président. And immediately, immédiatement, I knew that it was the brother of the president. Je savais immédiatement que c'était le frère du président. Because the convoy, parce que le convoi, the security, la sécurité, the siren, les sirènes. I said that must be his brother. Ça doit être ton frère. From today, dès aujourd'hui, whatever characteristic is on Jesus Christ will be seen on you as his brother. Whatever is around you that looks like from a different family is dropping off you today in Jesus Christ. Of your life. Toute caractéristique de malédiction, toute image de malédiction de votre vie est déclarée cassée. Et c'est la maudite ton nom de Jésus. Amen. The prophecy you believe. La prophétie que vous croyez. That's the one that's going to happen. C'est qui va se passer. C'est là. Prenez place. Number 4. Point 4. Your destiny, votre destinée, is to be d'être outstanding, remarquable, outstanding, remarquable, striking, vous frappez, and conspicuous, et d'être conspicueux, outstanding, remarquable, from today, dès aujourd'hui, amen, amen. Some of you, when you pass, nobody comments. Certains quand vous passez, personne ne fait de commentaires. Nobody says that. Oh, that is a so and so. Dit, oh, mais ça c'est le frère XY. When you pass, it's as if an, I mean, maybe a dog or. Mais toi quand tu passes, any of the animals I pass by. Quoi l'animal qui est passé? Nobody knows it. But so I declare, mais je déclare que dès aujourd'hui, when you pass, quand tu passes, people will say, wow, look at wow. In the name of Jesus. Oh, c'est là. Prenez place. Matthieu, anything I tell you that is not in the Bible, don't believe it. Tout ce que je vous dis qui n'est pas dans la Bible, ne croyez pas. Do not believe it. Ne croyez pas. Matthieu chapter 5, Matthieu chapitre 5, verse 14. Verset 14. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. A city, une ville, that is set, située on a hill, sur une montagne, cannot ne peut pas be hid, être cachée. Your destiny, votre destinée, is to be a city, c'est d'être une ville, up there, là-haut, on the hill, sur la montagne. So people will be passing by, donc les gens vont passer, and they said, you see that outstanding city? Vous avez cette ville remarquable. Look at that city up there. Regarde la ville là-haut. You are the outstanding city. La ville remarquable. Mission Jésus qui crée. It's one of the outstanding churches ever in Africa. Il n'a jamais existé. Outstanding, remarquable, outstanding. Remarquable, outstanding. Remarquable. In every francophone country, dans tous les pays francophones, outstanding. Vous serez remarquable. No country is exempted. Aucun pays n'est exempté. Can you speak French? Now vous serez. I said, if you speak French, si tu parles français, tu ne peux pas. A city set on a hill. Une ville située sur une montagne. That's your future. C'est votre avenir. Some time ago, il y a quelques temps, I used to drive my car. Je conduisais ma voiture. When the police stopped me. Quand la police m'a arrêté, they would shout and say, "Hey, Obroni!" Et que, hey, regarde ce métis là. Vous savez ce que c'est, Obroni? Obroni, Obroni, c'est un métis. In Abidjan, what do they say? En Abidjan, on dit comment? Nijo. Rougeau. In Benin, what is Rougeau? In Benin, what do they say? En Benin, on dit quoi? Rougeau. Rougeau.
In Togo, what do they say? Togo dit quoi? Togo? In Gabon, what do they say? Gabon dit quoi? Métis. Hein? Gabon, what do they say? Nakani. Takani. Otangani. Otangani. Takani. In Congo, what do they say? Congo dit quoi? Mundele. 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 Shh. Quiet. I used to drive my car. Tu conduisais ma voiture. Say, hey, Obroni. Yeah, but it's okay. Is that how you drive in your country? C'est comme ça qu'on conduit dans ton pays. Is that how you drive in your country? C'est comme ça qu'on conduit dans ton pays. But now, mais maintenant, when they see this, quand tu me vois, oh, monsieur. Oh, monsieur. That is what is going to happen to you. Parce que pour vous. Oui, monsieur. It's your future. C'est votre vie. It's your future. C'est votre vie. It's your future. C'est votre vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now, sit down. Prenez place. Before I continue saying this, before I continue saying these fantastic things to you, avant de continuer à raconter ces choses fantastiques, I have to read a verse, otherwise you will not understand. Je dois vous lire un verset, sinon vous ne comprendrez pas. Sinon, yes. Okay. I have to read a verse. Je dois lire un verset, you will not understand. Sinon vous ne comprendrez pas tout ce qui se passe. Numbers chapter 6. Nombre chapitre 6. Verse 23. This is God speaking. He told Moses. Dieu qui parle à Moïse. Speak to Aaron. Il dit parle à Aaron. These are the pastors. Speak to Aaron. Ce sont les pasteurs. Il dit parle à Aaron. And to his sons. Et à ses fils. Saying. Dit. On this wise. Ainsi. You shall bless the children of Israel. Vous bénirez les enfants d'Israël. On this way, ainsi de cette façon, this way, de cette façon, on this way, meaning this is how, ainsi ça veut dire c'est de cette façon-là, bless, que bénir les enfants d'Israël. That's why they are blessed. C'est pour cela qu'ils sont bénis. Saying unto them, dites-leur, the Lord bless thee, que l'Éternel te bénisse, and keep thee, et qu'il te garde. The Lord make his face, que l'Éternel fasse shine upon thee, lui sa face sur toi. And be gracious unto thee. Et qu'il t'accorde ta grâce. The Lord lift up his countenance. Que l'Éternel tourne ta face. Qui tourne and give thee peace. Qui tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. And they shall put my name. Et ainsi qu'ils mettront mon nom. On the children of Israel. Sur les enfants d'Israël. I will bless them. Et je les bénirai. You see, on this wise. De cette façon, this is how, c'est comme cela bless que vous bénirez the children, les enfants d'Israël. C'est comme cela. You say to them, vous leur direz les choses. So that when I say this, you'll be outstanding. Donc quand je dis que vous serez remarquable, when I say to you, quand je vous le dis, be like Jesus, c'est comme Jésus. To say the Lord be gracious to thee. Il a dit que Dieu t'accorde ta grâce. Que ta face luise sur toi. Et ainsi, c'est comme ça que vous bénirez les enfants d'Israël. C'est ainsi que mon nom sera mis sur eux. Et je les bénirai. Donc là, vous voyez des choses. Vous croyez qu'on rigole, qu'on blague. C'est pour ça que vous êtes comme so many. C'est pour ça que vous êtes beaucoup. In that time that we are, the place is too small. What is the problem here? We are too many. Parce qu'on est trop nombreux. Because that's one of our problems now. Maintenant, c'est un de nos problèmes. C'est un bon problème. C'est un bon problème. C'est ainsi. Yeah.
You see, a pastor, vous voyez, un pasteur, un prophète speaking, qui parle, an apostle, whatever it is, qui que ce soit, God's servant speaking, un servant, un serviteur qui parle, is a very powerful and important part of your life. C'est une part importante et puissante dans ta vie. Numbers, nombre 23. You all know verse 19. Vous connaissez tous le verset 19. God is not a man. Dieu n'est point un homme. Because man, parce que l'homme, always telling lies. Vous dites toujours des mensonges. This is the prophet Balaam is speaking. So le prophète Balaam parle. Has he said that he would not do it? Has he not spoken? Can he not make it through? Now notice, verse 20 is the best one. Behold, voici, this is the prophet speaking. Prophet, I have received commandment to bless. J'ai reçu l'ordre de bénir. I have received commandment to bless. Vous voyez, l'ordre de bénir. Me bless. Je m'a dit béni, béni. And I'm standing here to say, I have received commandment to bless. Vous bénir. To bless. J'ai reçu l'ordre de bénir. He has blessed. God bénit. I cannot reverse it. Je ne peux pas retourner cela. He has blessed. Il l'a béni. I je ne le révoquerai pas. Reverse. I can't change it. Je ne peux pas le changer. I receive commandment. Parce que j'ai reçu l'ordre de bénir. So that's what I'm doing now. C'est ce que je fais maintenant. Each point I give, à chaque point que je donne, once you see that you are falling in it, zim. Si vous voyez que vous tombez dans cela directement, receive the blessing. Recevez la bénédiction. Don't understand it, believe it. Ne croyez pas, ne recevez pas en comprenant, recevez seulement par la foi. Yes. And it will happen practically. Et ça se passera de manière pratique. Back to our destiny. On revient pour notre destinée. You are destined to be outstanding. Votre destinée est d'être remarquable. Number 5. Point 5. Your destiny. Votre destinée is to be d'être needed. Quelqu'un dont on a besoin. Donc on and peut call for always. Et qu'on appelle tout le temps. Needed. Quelqu'un de nécessaire. Wanted. Quelqu'un qu'on veut. And called for. Et qu'on appelle. Call him. Call appelle-le. We need this. On a besoin de ceci. Right. On a besoin de celui-là. Do you need that blessing? Est-ce que vous voulez cette bénédiction là? That's your portion. Ça c'est votre portion. It's in Matthew. Et dans Matthew. Matthew. You are the salt. Vous êtes of the earth. Le sel de la terre. Salt is always needed. Le sel en a toujours besoin. Est-ce que vous avez besoin du sel? Do you have salt? Êtes-vous le sel? You have salt. Est-ce que vous avez le sel? Do you need salt? Avez-vous besoin du sel? Do you want salt? Avez-vous envie du sel? Salt is called for by all. Le sel on cherche. Your messages will be listened to by people. As on écoutera vos messages. Can we rather listen to? Can we rather listen to your preaching? Mais est-ce qu'on peut écouter tes prédications? Call for. On t'appellera. As far as the Philippines. Aussi loin que les Philippines. I was called for. Où on m'a appelé? I was needed. On avait besoin de moi. When I got there, they said, look, there are testimonies from last year. And people were coming with miracle testimonies from last year. Voici les témoignages de l'année passée, des miracles de l'année passée, des gens venaient. One person testified. Quelqu'un a témoigné. He had asthma and had been hospitalized and had missed five times in the last few months. Il a été hospitalisé. When he came, since then, et depuis il est venu à la réunion, plus jamais il ne veut passer à l'hôpital à cause de son asthme. If you know what asthma is, you know. Ceux qui ont souffert de l'asthme savent de quoi je parle.
Mission. On aura besoin de vous. On vous appellera. Every table in every restaurant, there's salt and pepper. Partout là où vous allez au restaurant, il y a toujours le poivre et le sel. You will be in every house. Vous serez dans toutes les maisons. Preaching your books will be in every house. Vous livrez dans toutes les maisons. When I finish preaching, quand j'ai fini de prêcher, Philippines, pasteur m'a dit que je peux te voir. Please. S'il te plaît. We need you again. On a besoin de toi encore. We need you again. On a besoin de toi encore. Yes. Next time we want to do this and we didn't do this. La prochaine fois, on n'a pas besoin de refaire cela. La prochaine fois, tout cela c'est pour toi. On a besoin de toi. Tout cela c'est pour toi. From Ghana. Depuis le Ghana. I was called for. On m'a appelé. How many times I've been in a restaurant and I said, well, you have some salt, please. Quand je suis au restaurant, je me dis, est-ce que vous avez du sel? So when somebody said, do you know that he was not kind of called that he was. Quand quelqu'un dit, mais c'est toi qui vas dire que tu pouvais l'appeler. You will be called for. On vous appellera aussi. You will be called for. On vous appellera. You will be needed. On vous aura besoin de wanted. On vous parle de vous. Jesus name. Au nom de Jésus. Ça c'est votre destinée. I have received commandment. J'ai reçu l'ordre de bénir. Therefore, I'm blessing. I cannot. Je bénis. The next one. Point suivant. Number 6. Point 6. Your destiny. Votre destinée is to be. Et d'être. A great source of. Une grande source inspiration, d'inspiration, direction, de direction and light. Et de lumière. When people look at you, quand les gens vont regarder vers vous, inspiration, ils vont voir l'inspiration. When they see, you know, they quand ils te voient, ils se sentent touchés par la direction. Inspiration. L'inspiration. And then when they see you, they don't know what to do. Et quand ils vont te voir, ils sauront quoi faire. What I should do. Je sais quoi faire maintenant. Je vais faire direction. La direction. And light. Et la lumière. You become the answer. Vous serez la réponse. When we say Jesus is the answer. On dit Jésus est la réponse. It's the bon answer. Il est la réponse. When they see you. Quand on vous verra. This. Recently, a brother had a funeral. Récemment, un frère a eu des funérailles. Son frère, son enfant est mort. He said, "When I saw," he said, "when I saw Bishop at the door, les gars qu'à la porte, he was okay. Il était bon. He was just affected. Il était affecté. And I told my wife, I'm going to go for this funeral. Et j'ai dit à ma femme qu'on va aller à ce funeral. You become a source of inspiration. Et vous serez une source d'inspiration. You become a source of direction. Une source de direction. And you become a source of light. Vous serez une source de lumière." Wow. Wow. Matthew chapter 5. Matthieu chapitre 5. All these are in Matthew. Toutes ces choses sont dans Matthieu. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. You are what? Vous êtes quoi? The light, la lumière of the world. Du monde. Verse 15. Neither do men light a candle. Quinze. On n'allume pas une lampe. Put it under. Pour la mettre sous. But on a candlestick. Mais on la met sur le chandelier. And it giveth light. Et elle éclaire. Unto all that are in the house. Tous ceux qui sont dans la maison. Wow. You are giving light. Vous donnez de la lumière. To all that are in the house. À tous ceux qui sont dans la maison. You are declaring. Une inspiration. You are declared a source of direction. Vous êtes une source de direction. You are declared a source of life. Vous êtes une source de lumière. Mission Jésus qui guérit is declared a source of inspiration. Source d'inspiration. Is declared a source of direction. Source de direction. Is declared a source
look at your life. Maintenant regardez à votre vie. How you are now. Comment vous êtes maintenant? Hein? Do you see what I'm saying? Vous voyez ce que je dis? How can you be comment a source of inspiration? Être une source d'inspiration. The way things are. Vu les choses comme elles sont. Oh, you don't understand my question. Vous comprenez ma question? How can you be a source of pouvez-vous être une source d'inspiration? What do you have? Qu'es-tu? What are you? Qui es-tu? Where are you? Où es-tu? That's why I said, don't try to understand what I am saying. N'essaye pas de comprendre. If you try to understand, si tu essaies de comprendre, you'll not be happy with what I'm saying. Tu ne seras pas content par rapport à ce que je raconte. Just believe. Crois seulement. And when you go home, quand tu rentres à la maison, say each one, look in the mirror, say, regarde au miroir et dis, je suis toute inspiration. And don't laugh at yourself when you see yourself. C'est pas par rapport à toi. I'm a source of inspiration. Mais tu es une inspiration. Tu regardes au miroir. Don't laugh at yourself again. Be serious. I'm a source of inspiration. Parle de toi. I'm a source of inspiration. Je suis source d'inspiration. I'm a source of light. Je suis source de lumière. He gives light to all. Il donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. You know, when we started Lighthouse, quand on a commencé Lighthouse, Lighthouse Chapel International. After that, most churches change their name. Something chapel. So now that we are changing the name, I don't know what we are doing. Give us all the love in life. Give us all the show. Amazing. Étonnant. Veuillez. Mission. A source of direction. Une source de direction. A source of inspiration. Une source d'inspiration. Source of light. Une source de lumière. People will be saying that. Les gens diront, a church like this come from an anglophone country and anglophone dominating et qui domine in the francophone country. Comment? Francophone. Comment? The buildings that are about to be built. People will be pointing and saying, hey, set on a hill. So why is this being placed to the mountain? My architect was asking whether we want to have the offices on the ground or the ones that go out. The one that goes up looks more like the one in the Bible, a city set on a hill that comes. Give the Lord a shout! You'll be needed. On aura besoin de vous. Find somebody to after somebody. You'll be wanted. Après cela, si quelqu'un, on aura besoin de toi. On te voudra. On voudra de toi. Tell somebody else, they will call for you. They will call for you. On t'appellera. They will call on t'appellera si quelqu'un for you. On aura besoin de toi. Alléluia. Alléluia. They will call for you. On t'appellera. They will say, call. Prenez place. Fantastic. Number 7. Point 7. Your destiny. Votre destinée is to be d'être spiritual. Spirituel. Whilst
on earth. Pendant que vous êtes sur terre. Spirituality. Spiritualité. And heavenly blessing. Et les bénédictions while célestes pendant que vous êtes sur terre. Now, most people whilst on earth cannot be spiritual. La plupart des gens sur terre ne peuvent pas être spirituels. It's very difficult to be spiritual. Très difficile d'être spirituel. Oh, I feel like eating. Parce qu'ils doivent manger. Oh, I feel like drinking. J'ai envie de boire. I feel like sleeping. Oh, j'ai envie de dormir. I feel like sex. Parce que j'ai envie de sexe. Hey! But your destiny, ta destinée, is spirituality. D'être spirituel, while pendant still que tu es sur terre. Amazing. Étonnant. Ephésiens. Ephésiens. Chapter 2. Chapitre 2. And you, I like this one. And you, c'est un, vous, have he quickened, who were dead, étiez morts, in trespasses, par vos offenses. He's made you alive. You were dead in your sins. Vous étiez morts par vos offenses. Every time you sin, you are dead. À chaque fois que vous péchez, vous êtes mort. Wherein in time past, alors qu'il y a un temps, he, you walk according to the course of this world. Vous marchez selon le train de ce monde. According to the prince of the power of the air, selon le prince de la puissance de l'air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verse 3. Verset 3. Among whom we also had our conversation in times past, tous aussi nous étions dans leur nombre, in the lust of our flesh, vivions autrefois selon les convoitises de la chair, fulfilling the desires of the flesh and the mind, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. How many have fulfilled the desires of your flesh and your mind? Combien ont déjà accompli les désirs de la chair? I feel like it, I'm doing it. Tu dis, oh, j'ai envie de cela. I feel like it, I'm doing it. J'ai envie de faire cela. And were by nature the children of wrath. Et nous étions par nature des enfants de colère. Verse 4. Verset 4. But God, mais Dieu, who is rich in mercy, qui est riche en miséricorde, for his great love, à cause du grand amour, wherewith he loved us, dont il nous a aimés. Verse 5. 5. Even when we were dead in sins, nous qui étions morts par nos offenses, quicken us together with Christ. Nous a rendu à la vie avec Christ. By grace you are saved. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verse 6. Verse 6. And has raised us up. Il nous a ressuscité. Not that he will raise us up. He has. Pas qu'il va ressusciter, mais il nous a ressuscité. Together. Ensemble. And made us sit. Et nous a fait asseoir. Together. Ensemble. In heavenly places, dans les lieux célestes, in Christ Jesus, en Jésus Christ, that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace, dans les siècles à venir de montrer l'infinie richesse de sa grâce. Now, if you look at verse 6 again, regardons le verset 6. It says, he has raised us up. Il nous a ressuscités together, ensemble, to sit, il nous a fait asseoir, together, ensemble, with him, avec lui, in heavenly, dans les lieux célestes. So we are now seated. Et donc maintenant on est assis. Not that he will. Pas qu'il va le faire. So he has raised us up. Il nous a déjà ressuscité. Now, que nous puissions asseoir maintenant places, dans les lieux célestes. Now what does it mean? Ça veut dire quoi? Where are you sitting now? Où es-tu assis maintenant? Tu es assis où? Il y a un mampon. Un mampon, n'est-ce pas? Un acaso, isn't it? Un acaso, n'est-ce pas? Are you in heaven now? Can you see yourself in heaven? Êtes-vous dans les cieux maintenant? Vous êtes dans les cieux. We are seated in heavenly places. Mais Dieu nous a assis dans les lieux. And if we are seated in mampon, what does it mean? Un mampon, ça veut dire quoi? Does it mean God is lying? No. Est-ce que ça veut dire que Dieu ment? It means you are living a dual life. Ça veut dire que vous menez une vie duel. You are duel. Both in heaven, à la fois dans les cieux, and also right here, à la fois sur terre. In mampon. Un mampon. So you are a man operating in two worlds. Une personne qui opère dans les deux mondes. Yes, dual citizenship.
Vous êtes un citoyen dual. Passports. Double passeport. One on earth. Un sur terre. And a heavenly. Et un autre céleste. Operation. Qui opère dans les esprits. Dans l'esprit. It's real. C'est réel. So your destiny, et donc votre destinée, is to be an operative, c'est d'être opératif, of two worlds, dans les deux mondes, at the same time, au même moment. I am a spiritual operative, je perds dans les deux mondes, even though I live on earth, même si je suis sur terre. I live here, je vis ici. I have my family, j'ai ma famille here, ici. I live right here, je vis ici. But I'm a spiritual operative. Mais j'opère dans l'esprit. J'opère dans l'esprit. Mais lorsque je fais, doing something in the spirit. Je fais quelque chose dans l'esprit. Carving out a church. Je suis en train de bâtir l'église. Causing a church to come into existence that did not exist. Faire en sorte que l'église existe là où elle n'a pas encore existé. I am speaking blessings. I've received commandments to bless. Comme il a dit le prophète, j'ai reçu l'ordre de bénir. Quelque chose de spirituel. So I'm blessing. Et donc je bénis. I'm saying your name and I'm blessing you. Je dis votre nom et je vous that bénis. Shall thou declare and put my name on them. Et c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur eux. That's what's happened. C'est ce qui s'est passé. So, donc, those of you who feel that, as for me, I don't have ever spiritual. Ceux qui disent, oh non, je n'ai pas de spirituel. J'ai jamais eu d'expérience spirituelle. Physical things. J'ai que des expériences physiques. From today. Dès aujourd'hui. You are declared. Oh, je déclare. In two realms. Que tu opères dans les deux mondes. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Two worlds. Deux mondes. Number 8. 1-8. Your destiny, votre destinée, is supernatural closeness to God. D'être proche de Dieu d'une manière surnaturelle. To the extent of marriage. Au point du mariage. Wow. Wow. Ephesians chapter 5. Ephésiens chapitre 5. Verset 30. We are members of his body, of his flesh, membres de son and corps, his bones. De son chair et de ses os. For this cause shall a man leave his father and his mother, pour que l'homme quittera son père et sa mère, and shall be joined unto his wife, et s'attachera à sa femme, and they two et les deux shall be one flesh. Deviendront une seule chair. This is a great mystery. Ce mystère est grand. But I speak concerning the church. Je dis cela par rapport à l'église. Hallelujah. Hallelujah. So you see here, he's speaking about the church. Il parle de l'église. And he's saying the two shall be one flesh. Il dit les deux seront une seule chair. You shall be joined together with God, with your spouse. À Dieu. But he's speaking about the church. Il parle ici d'un couple alors qu'en réalité il parle de l'église. So every time you see a wedding, dans chaque fois que vous voyez un mariage, people are coming together, les gens viennent ensemble, man and a woman, l'homme et une femme, they are wearing clothes, ils se bien habillés avec leurs vêtements. Soon they will not be wearing clothes. Bientôt ils seront sans vêtements. They will merge together. Ils vont se joindre. Hey! Hey! It's fantastic. Fantastique. Like they are going to be so close, mais ils seront tellement proches, to merge. Ils vont fusionner. You are merging with God. Vous fusionnez avec Dieu. Can you believe it? Est-ce que vous pouvez le croire? You are merging with God. Vous fusionnez avec Dieu. Wow. Wow. You see, God is the lovey lovey type. Vous savez, Dieu est le Dieu qui aime. Tell somebody, God is the lovey lovey type. Vous savez, Dieu est le type.
Amour, amour. How do you say it in French? Love, love, love. Le type amour, amour. Amour, amour. Hein? Amore. Jeremiah chapter 2. Jérémie chapitre 2. Verse 2. Verset 2. Go and cry into the ears of Jerusalem and say, thus says the Lord. Aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. I remember thee. Je me souviens de toi. The kindness of thy youth. De ton amour lorsque tu étais jeune. The love of thine espouse. De ton affection lorsque tu étais fiancé. When thou wentest after me in the wilderness. Quand tu me suivais au désert. In a land that was not sown. Dans une terre inculte. Wow. Wow. I remember how you used to chase me. Je me souviens comment tu me poursuivais. And he said, God wants the love of thine espousal. Dieu veut l'amour d'une fiancée. You know, when people freshly love each other, vous savez quand votre amour est their prêt, love is called their love is called the light. Votre amour est appelé la lumière. And sometimes when they have been together for some time, et quand ça fait un moment que vous êtes ensemble, and that initial love, cet amour initial, their love is called the darkness. On appelle maintenant cela les ténèbres. It's still love, but it's the love amour, of darkness. Mais c'est l'amour dans les ténèbres. When people initially love each other, quand les gens se sont aimés, it's called the love of thine espousal. On appelle l'amour des fiancés each other. Just how thou wentest after me. Dis comment tu es venu in tu the wilderness. When I didn't have anything, you were coming for me. You were coming for me. You were coming. Quand je n'avais rien, tu étais là dans le désert, tu me poursuivais. I could feel your love. Je pouvais sentir que tu étais là. This is God complaining, you know. This is not a marriage book. This is the Bible. This is God. Un livre de mariage. C'est Dieu qui parle. It's not a marriage book. It's not c'est pas a livre de mariage. God. Yeah. Yeah. You used to chase me. Tu me poursuivais. Now. Comment? One day, a certain brother went to do a sperm test. Un jour après, il allait faire un test de sperme. And when they look under the microscope, quand on a regardé au microscope, all the sperms have turned into lizards. Tous les spermes sont devenus des lézards. So, et donc, the doctor told the man, he said, it seems you have not had sex for a long time. Said, oh yeah, it's le médecin dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme si tu n'as pas eu de l'amour depuis longtemps. Into lizards. Ils sont des spermatozoïdes, ils sont devenus des lézards. Mature. Mature. Sperm that have been in there for months and years. Darkness. Lizard. 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 He says, I remember when we knew the Lord, we'll come after the Lord. Like after the Lord, I come to the camp, say, I've come from far, I come here, so I want to come, I want to be there, I'm flowing, I'm happy to be in church. Comme and a time will come when it's like, you know, then you come for the camp. Maintenant viens, oh non, mais venir à l'église. Oh, I remember. Mais je me suis souvenu. You went after me. You were comment tu no, me poursuivais? You c'est toi qui me poursuivais. Now the sperm have turned into et maintenant les spermes sont devenus des lézards. Hey!
You see young girls chasing. Voyez des jeunes filles. Boys. Francophone, is it not true? On va le voir francophone, c'est pas vrai. Chasing after boys. Les filles qui courent pour suivre les garçons. But the time comes. Mais temps vient. You should see sometimes Christians. Vous voyez des chrétiens parfois. The wife is lying there. La femme est là. The husband is lying there. Et l'homme est là à côté couché. It's like Lazarus and the rich man. Et c'est comme Lazare et l'homme riche. Like Lazarus and the rich man. Il y a la vie entre les deux. There's a great gap. Alors que tu es marié femme. Between them. Comme s'il y a une abîme entre les deux. When you enter their room, you think you are reading Luke chapter 16. Quand tu rentres dans la pièce, comme tu lis Luke chapitre 16. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je raconte? They don't understand. Amen. Amen. So, et donc, God wants us to love him. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Are you going to love him? Allez-vous l'aimer? Can you imagine somebody like you who should go to hell? Pouvez-vous imaginer une personne comme vous qui va en enfer? You rather are going to be close to God. C'est alors que vous qui devez être proche de Dieu. Wow. That's something. C'est vraiment triste. That is something. Ça c'est quelque chose. Amen. 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 Verse 4. Verset 4. Hear ye the word of the Lord. Écoutez la parole de l'Éternel. O house of Jacob and all the families of the house of Israel. Maison de Jacob et vous toute famille de la maison d'Israël. Thus saith the Lord. Ainsi parle l'Éternel. What iniquities have your fathers found in me that they have gone far from me? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Amen. Amen. Far. Loin. Far from me. Loin de moi. Amen. God doesn't want you to be far. Dieu ne veut pas que vous soyez loin. God wants you to be close. Dieu veut que vous soyez proche. How many are going to be close to God? Comment vous allez être proche that de Dieu? Is your divine destiny. Ça, c'est votre destinée divine. Is to be close to your God. C'est d'être proche de votre Dieu. Amen. Amen. Isaiah 54. Ésaïe 54. Isaiah 54. Ésaïe 54. Verse 5. Verset 5. It says, il dit, for thy maker is thine husband. Car ton créateur est ton époux. The Lord of hosts is his name. L'Éternel des armées est son nom. And thy redeemer. Et ton rédempteur. The Holy One of Israel. Et le Saint d'Israël. The God of the whole earth shall he be called. Il se nomme Dieu de toute la terre. It says, thy maker is thine husband. Il est dit, car ton créateur est ton époux. Amen. Amen. This is your destiny. C'est votre destinée. Marriage closely. Le mariage to God. Qui est proche de Dieu. Closeness. Proche. To be close to God. De être proche de Dieu. Yes. This is your future. C'est votre avenir. Very close to the Lord. Être très proche de as Dieu. As soon as you speak, your words will be heard in heaven. À un moment où vous parlez. Votre voix you sera feel entendue his presence by you. Vous allez sentir sa présence près de vous. Experience him really. Vous allez l'expérimenter réellement. You see his power in your life. Vous allez voir sa puissance dans votre vie. You hear his voice. Vous allez entendre sa voix speaking to you. Qui vous parle. One night I was a few, last week, la semaine passée, the Holy Spirit woke me up. Le Saint-Esprit m'a réveillé. Two something in the morning.
2 heures et des poussières. I had slept at around 11 or 12. Je m'étais couché vers en minuit, 23h minuit. But I could feel his presence in the room. Mais je pouvais sentir sa présence dans la pièce. And I knew because of the way I had woken up that it was now morning, early morning. Je pouvais le savoir parce que au moment où je me suis réveillé, c'était presque le matin. I was shocked when I saw that it was 2 a.m. and I slept around 12. J'étais choqué quand j'ai vu l'heure, c'était 2 heures alors que je me suis couché vers minuit. Spirit spoke to my heart. On your knees. Le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi à genoux. J'ai commencé à prier. I was on my knees. J'étais à genoux. And he told me what to pray about. Et il m'a dit qu'est-ce qu'il fallait que je prie. You'll be close to the Lord. Vous serez proche de Dieu. You will be close to the Lord. Vous serez proche de Dieu. Amen. Somebody who should have gone to hell. Quelqu'un qui aurait dû aller en enfer. You'll be close to Jesus. Vous serez proche de Jésus. Amen and amen. Amen et amen. Wow. Jeremiah chapter 3. Jérémie chapitre 3. Verse 1. Verset 1. They say, il dit, if a man put away his wife and she go from him and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-elle encore vers elle? But thou hast played the harlot with many lovers. Le pays même ne serait-il pas souillé et toi tu t'es prostitué de nombreux amants. Yet return again to me, saith the Lord. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. God is this type. Dieu est de ce genre-là. He will never give up his wife. Il va jamais abandonner sa femme. She has gone to play the harlot with many lovers. Elle est allée toucher avec de nombreux amants. And he said, if somebody like that comes back to the husband, is the land not polluted? Il dit, mais si une personne comme ça revient, est-ce que c'est pas comme une terre souillée? But I, the Lord, I say, even though you have gone to many people, I say, I like you still. Mais Dieu dit, même si tu as été à de nombreux amants, tu reviens vers moi, je t'aime quand même. One day. Un jour, a certain brother, un certain frère, went to town, est allé en ville. And when he finished the work he was doing, quand il a fini son travail, earlier than the usual time that he comes home, plus tôt que prévu avant de rentrer à la maison. So he decided, il a décidé to go back home, de revenir à la maison. When he got home, quand il arrive à la maison, his wife, sa femme, was playing the harlot with somebody. Jouait la prostituée avec un autre gars. When they told me, et quand ils m'ont dit this case, ce cas, I said in my heart, je dis dans mon cœur, this marriage is finished. Ce mariage est fini. But, mais, to my surprise, à ma grande surprise, and to everybody's surprise, et à la surprise de tout le monde, the husband said, le mari a dit, I like my wife. J'aime ma femme. I don't want another wife. Je veux pas une autre femme. Yes. Oui. Wow. Amen. Amen. What kind of love is this? Quel genre de vie c'est? Then later I saw they were celebrating anniversary of the marriage. Et plus tard, je les ai vus célébrer l'anniversaire de leur mariage. And God Himself said, if a man, woman goes to play the harlot and comes back, is the land not polluted like the country is false? Et Dieu lui-même a dit, si une femme joue à la prostituée, est-ce qu'elle ne ressemble pas à une terre souillée? Wow. Polluted. Souillé, pollué. That's God. Mais ça, c'est Dieu. Verset 8. Lift up thine eyes unto the high places and see where
thou hast not been lying with in the ways that thou hast sat for them. You see, the places you slept and how you sat for them, how you did it. As the Arabian in the wilderness. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. And thou hast polluted thy the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Où ne t'étais-tu pas prostitué, tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert. Therefore the showers have been withholden and there has been no latter rain. Verset 3, aussi les pluies ont été empêchées de retenir. Thou hast a hoarse forehead. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Thou hast a hoarse forehead. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Thou refuses to be ashamed. You refuse to be ashamed. Tu n'as pas voulu avoir honte. Hey. You refuse like when shame, I refuse to be ashamed. Comme si la honte vient, tu dis je refuse la honte. There is no shame. Il n'y a pas de honte. And I saw, I think verse 14. I saw when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away and given her a bill of divorce, yet her treacherous sister Judah feared not, all right, but went and played the harlot also. Et après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Judah, en a été témoin. Quoique juste répudier l'infidèle Israël à cause de toutes ces adultères que j'ai lui donné sa lettre de divorce. Turn, O backsliding children, saith the Lord. Is it verse 20 or 10 or 14? Verset 14. Turn, O backsliding children, saith the Lord. Revenez enfants rebelles, dit l'Éternel. For I am married to you. Car je me suis marié à toi. For I am what? Married to you. Marié à toi. And I will take you of one of a city, two of a family, and I will bring you to Zion. Je vous prendrai une d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Surely, as a wife has treacherously departed from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, saith the Lord. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Wow. So you see, God sees you as his wife. Donc vous voyez, Dieu vous considère comme sa femme. How many want to be God's wife? Qui veut être la femme de Dieu? Ah, what a nice husband to have. Quel merveilleux mari à avoir. So every man has to learn how to be a woman as well. Donc tous les hommes doivent apprendre aussi à être une femme. And every church et toute église has to learn how to be a woman. Doit apprendre à être une femme. What is a woman? C'est quoi une femme? A woman is somebody une femme, who c'est is subject to. Qui est soumise.